Mais il y avait un truc là. Et il y a la carte. Mais là c'est fermé. Là c'est fermé. Là on peut pas aller donc je comprends pas. Je comprends pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Bah en fait je voulais bien le tuer le mec. Mais si je prends un game over comme tout à l'heure ça va me faire chier. Mais je ne comprends pas le problème en fait. Par contre, je comprends pas pourquoi là-haut on peut pas accéder à l'autre endroit. Pourquoi je peux pas taper un tout droit là? Je comprends pas. Je vais partir regarder une Toulouse parce que je suis en bas. Je comprends que dalle. Attendez. L'alerte du confinement du danger a récemment été élevée au niveau Oméga. Veuillez patienter dans l'attente de nouvelles notifications. Moi j'ai bien de la toile d'araignée. La fosse, mais bon. Attendez, hein, je regarde la solution. Là? Je viens d'apprendre un truc. Le petit trait vert en fait, c'est l'objectif. Oh, mais ça change tout!
Ça change tout de savoir ça, qu'on a une minimap. Enfin, un vrai radar, quoi. Qu'on a la flèche de Crazy Taxi. Si on m'avait dit que j'avais la flèche de Crazy Taxi depuis le début, je l'aurais suivi. Oh. Ok, mon pote. Là-bas. Donc faut qu'on retourne au bureau du Marshall. Je pense que Wade c'est mort. Je pense que tous les gens qui étaient dans le bureau du Marshall sont morts. Tués par des robots. Et je pense qu'il y a une magouille avec les robots. De la Wayland, à mon avis du coup. Je me suis installé dans la galerie du centre commercial il y a environ 24 heures. Les gens ici, ils ont peur. Ils croient encore que le Marshall Wade va tuer la créature. Ils oublient les autres dangers. Ils oublient qu'ils sont là, eux. Les gens se retrouvent tous les uns contre les autres pour la nourriture, pour l'eau. Je ne peux plus rester ici. C'est la merde. Nous, on cherche juste la boîte. Hein. On a la boîte, on se barre, hein. Ils se débrouillent. Hein. Plus notre problème. T'es vivant, toi. Toi, t'es vivant, toi. Quand est-ce qu'il va, ma gros? Bah voilà. Je t'avais dit que t'étais vivant. Con. Petite con, robot. Oh, j'ai craqué. Salut à tous. Ah, on est là. Ok, putain, wow. J'avais pas compris où on était. C'est en voyant le message que j'ai compris. Et puis mes potes. Là, on pouvait pas aller avant. Merde. Ils ont trouvé... machin. Putain. S'il faut, c'est machin. Hein. Il nous a mytho qui travaille pour la Wayland et tout. On sait pas. On sait pas. Je vais sauvegarder. On sait pas en vrai. En tout cas, ils sont morts. Ils sont caded. Ah. Qu'est-ce que ça dit? Wait, on a un piège en moins. La créature a allumé les explosifs qu'on avait installés dans la tour d'habitation. Des dégâts ont été rapportés au terminal de vol spatiaux. Je crois pas qu'on lui fait une seule égratignure. Il y a de l'activité à Saint-Cristobal. Et il y a peut-être retourné. Essayez de vous rendre en transit à la tour 6 Med et priez pour que les capteurs de réception du genre de Michael soient toujours en ligne. Non, mais ça date de quand ça? De suite là? Donc il savait où j'étais. Peut-être que Wade c'est juste un très bon comédien. Hein. Et que c'est lui depuis le début. On sait pas en vrai. On peut voir les plaques qu'on ramasse. On en trouve plein des plaques en vrai. Hein. Bon allez. C'est où? C'est là? Salut boys. Rip. Rip. Ils sont tous morts. Les
Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit? Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Le bug. Il faut que j'aille chercher Samuels dans Sigon Synthetics. Donc Samuel serait un traître, un skip. Parce que ma pote n'est plus là. Hein. Samuel sera un traître. Il y a quelqu'un ici. Je l'ai next. Hein. Il court pas vite, donc je l'ai next. Hein. Samuel sera un gros traître. Oui, ouais, c'est bon. Voilà, double kill. Ah bah, et en plus, ils ont les balles de fusil à pompe sur eux. Parfait. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ok, par là, go. Faut que j'arrête d'utiliser ça, faut que j'utilise ça, c'est mieux. Faut qu'on aille prendre lequel de transporteur? Je sais pas, attends, je vais sauvegarder. Le jeu devient cool là. C'est débarrassé de l'alien, il y a une révolution d'Android. Ça part en Blade Runner. Hein. Oh! Putain, le flip. Je voulais me retourner pour lui mettre une balle. Alors, mon pote. C'est ciao. T'es la vie du mélange B. Fusil à pompe, hein, toujours. Toujours la meilleure arme. Merci beaucoup. Toujours fidèle au poste, le fusil à pompe. Le fusil à pompe qui, plus on avance dans les jeux vidéo, plus se révèle comme étant le sauveur de l'humanité. Merci au fusil à pompe qui est la plus grande arme que l'humain ait inventée. Allez, on y va! La 11e mission? C'était la 11e mission, ça? Il y en a 18, hein? On arrive. Ok, on doit faire quoi? Cette station oui. J'ai l'impression que les ordinateurs des étages supérieurs de Sexon Synthetics sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable? Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Il a raison. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Apollo, c'est l'IA, d'accord. Ok, on va à Sigon Synthetics. Sexon Synthetics, pardon. Non!
Non, c'est pas là que je voulais aller. Je suis tombé d'ascenseur. Putain. On finira pas le jeu aujourd'hui, mais mais le prochain stream sera le dernier, hein, sur ce jeu, je pense. Ok, on va prendre l'ascenseur. Putain, si on finit Alien cette année, c'est un délire. Parce qu'Alien, ça fait depuis le début de ma chaîne qu'on l'a commencé quasi. Donc, depuis le reboot de ma chaîne, hein, parce que y a eu. En vrai, voilà. On peut dire ça si vous voulez. Il y a eu 3 stades de ma chaîne YouTube. Il y a eu le stade 1, qui était le stade je suis un gosse. Et mes vidéos, et où ces vidéos n'existent plus et sont en privé et vous ne les verrez pas pour l'instant. Il y a eu un stade. Je me lance dans les vidéos une première fois et où on n'a rien fait. Et il y a eu le stade de maintenant. De on fait des vidéos tout le temps. Donc, ça fait quand même 3 ans qu'on a commencé Alien Isolation. 2 ans, pardon, qu'on a commencé Alien Isolation. C'était. C'était en décembre 2020, donc ça fait 3 ans. Et on va le terminer enfin. J'avais pas du tout la même gueule, je travaillais pas, je faisais rien, j'étais juste chez moi à faire des vidéos. C'était pas du tout le même délire. Ah, on est dans cette salle là. Ah, on est ici, d'accord, ok. Allez, go. Hein. Et voilà. Mais en tout cas, au moins on va finir le jeu. Et ça c'est beau. C'est beau. C'est voilà, c'est l'histoire de ma vie. Mais on est dans l'arc completion. Là, voilà. Maintenant, c'est officiel, je suis dans l'arc complétion. C'est-à-dire qu'on va faire que finir des jeux. Je ne lance plus de nouveaux jeux. Bon, j'avais fait Hitman. Il me faut le mot de passe. Mais ça compte pas parce que je l'ai fini. Vous voyez, on est que dans l'arc completion, c'est-à-dire les jeux, si on les lance, on les termine ou on finit les vieux jeux. Ah, regardez, exemple, Hitman, on a fait 3 streams et puis c'était terminé. 83-82. Mais au moins, c'était en une seule fois. Faut plus que je mette les jeux en stand-by parce que sinon je les terminerai pas. Je le sais, en fait. 83-82. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des lives où je fais le jeu en entier. Puis comme ça, après, je suis tranquille. Pareil, Earthbound, là, j'ai repris. Et après, on va le terminer. Parce que c'est Earthbound, c'est le plus vieux jeu auquel j'ai joué sur ma chaîne YouTube. Slash Twitch. Je considère comme étant un tout. Ok, non. Je voulais voir si on pouvait tomber, mais pas du tout. Donc, il n'y a pas de challenge. Hein. C'est des murs invisibles. Allez, on y retourne. Oh non! Saute! Ok, c'est bon. Oui, bah oui, Mirror Edge aussi, non? What the fuck? Vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Oh putain. Fun fact, c'est Sega, techniquement, qui a les droits d'Alien. Donc, c'est eux qui font les jeux Alien. C'est du délire. Le fait que cette info soit vraie me tue de rire. C'est techniquement Sega qui a les droits d'Alien, il me semble. Et autre fun fact de fou, les gens qui ont fait Alien Isolation, c'est les gens de Total War. Voilà. Je ne sais pas. Ils ont juste fait Alien Isolation et puis après ils ont refait Total War. Mais sans transition, tu vois. Et c'est eux qui sont en train de faire Genas, l'espèce de FPS là. Et ça n'a pas été annulé ça? Ou rebrandé, je sais plus. Mais ça me tue de rire de me dire que c'est les mecs de Total War qui font Alien. Ça me bute de rire. Elle est où la carte? Ça me tue de rire. Hop.
Qu'on aille où? Ok. Bonjour. Il y a des robots morts. Voilà, mort. Mais comment je le tue avant qu'il me touche? Je peux pas, je suis obligé de me prendre le hit. Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Les synthétiques viennent ici pour mourir, à quoi bon? Je comprends pas. C'est quoi ce délire? Oula. C'est pas la statue, mon pote. Hein. Bah non. À moins que Apollo ait fait une dinguerie. Apollo, je crois que c'est l'IA de la station. Il me semble. C'est quoi ça? Il me semble qu'Apollo c'est l'IA de la station. Parce que tous les vaisseaux dans Alien ont des IA incorporées. Pour pouvoir les aider à naviguer, faire des choses, etc. Je vais vérifier cette info quand même de la... attends. Voilà, Sébastopol. Station Alien. Je vais juste vérifier hein, ce que je vous dis pour pas vous dire une bêtise. Voilà, c'est ça. L'Apollo, c'est l'IA de Sébastopol. Très bien. Alors, n'empêche, on a toujours pas retrouvé comment il s'appelait. L'autre là. Ben, le mec qui a trouvé le mec qui a trouvé la boîte noire. Hein. Lui on l'a jamais vu alors que c'est un gros businessman et tout, genre c'est vraiment le cadre de la Wayland ici quoi. C'est du délire. Il va où le jus? Faut que je coupe le jus. Y'a pas d'ennemis. Très étrange. Pour l'instant, bizarre, level bizarre. Niveau de confinement pathogène, Omega. Nous comptons sur vous pour prendre Tarouf. Suivez-moi, je vous prie. Non. Non, mon pote. Je suis pas. Là, j'ai coupé. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok, normalement, j'ai coupé le jus pour pouvoir activer ce truc. Lui il va bouger lui hein. 100%. Je pense que quelqu'un a un coup Apollon ou un truc comme ça. Apollo pardon, Apollon. Bon rien tu me diras. Mais je pense qu'il se passe une couille dans la station, il y a quelqu'un qui... Ouais voilà. Tu vois, voilà. Voilà. Donc on nous voit sur les caméras ou je ne sais quoi. Je vais trouver un moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène Omega. Toutes les permissions sont annulées. Je n'ai pas le temps pour ça. Oui, c'est un robot. Hein. Entre robots, il se défonce. Hein. Donc, il cherche un moyen de parler à Apollo, hein, Samuels. Pourquoi? On ne sait pas.
Sûrement pour couper le bazar qui s'y propage globalement. Parce que c'est quand même bien la merde là tout de suite. Ouais, il faut que je trouve Samuel. Bon, ça va. On n'a pas la map d'ici. Non, on n'a pas la map. On m'a dit quelqu'un qui vaille. Ah, il y a une dame morte. Bonjour madame. J'ai eu du mélange B quand même. Hein. J'ai du heal quoi. Ok. Par où je dois passer? Comment je dois faire? Il y avait marqué quoi? Je vais lire, attends. Je vais lire. Suzanne, ma chérie, je devrais remettre ça pour plus tard. J'ai reçu des rapports d'en bas au sujet du comportement de la part d'Android. Il y a peut-être un rapport avec tous les gens qui disparaissent. Je veux que tu ailles à la salle d'expo et que tu t'y enfermes. Il y a un bouton de verrou près de mon bureau. Ça date de l'époque où ces machines avaient encore de la valeur. Mais t'en fais pas pour elles. Elles sont simples. De simples modèles d'exposition. Oh. Reste tranquille, je vais m'occuper de ça. Et on pourra enfin fêter cette affaire en dehors des heures de boulot. Speeding, je m'attends à ce que les VIP arrivent tôt. Alors je veux que toi et tes hommes vous soyez prêts pour les accueillir. Leur tourne et c'est notre dernière chance de récupérer quelque chose de cette merde. Faut que tes hommes répondent à tous leurs caprices, à chaque vice et qu'ils se mettent et qu'ils se marrent à chacune de leurs foutues blagues. Emmène-les à la salle d'expo. Quand ils seront prêts, ne les presse pas et ne les ennuie pas avec tes discours. S'ils disent qu'ils veulent apporter des modifications lambda, dis juste amen. Laissons les têtes d'ampoule s'occuper de ça plus tard. J'espère que t'as mis les meilleurs hommes sur le coup. Un bouton dans son bureau. Il y a un bouton dans son bureau. Où ça? Il y a un bouton. Ah oui, là. C'est à la classe, le bureau. Genre. Balle pour tuer une de ces conneries. Alors display model, mais putain, ils envoient hein. Oh, on va vous faire voir. Ah, la porte s'est pétée. Ah, j'ai du bol hein. Il était 6. Hein. Ah, à coup. Ils ont ouvert. Non, c'est vrai. Ils passeront plus. S'ils essaient de passer, ils vont cramer. Parfait, courant. Il est où Samuels? Moi, c'est ça que je me demande, c'est comment on va rejoindre Samuels? Un shotgun, putain. Ah bah voilà. Bon, ils peuvent venir au final. Hein. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah mais bon, on se les fait. Hein. Qu'ils viennent. Hein. Une save. Elle est où? Elle est là. Qu'ils viennent tous. Maintenant que j'ai 40 balles de shotgun, on va bien rigoler. On va bien rigoler. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai fermé la porte d'accès derrière moi? Tes flingues et ton matos me font ni chaud ni froid quand le synthétique que t'avais au cul est encore là, bordel. Je crois qu'il m'a pas vu. Il est debout et regarde tes vieux magazines sur le balcon de la centrale de fluide. Reviens là tout de suite et ouvre-moi la porte, Smite. Je sais pas trop combien d'entre vous seront encore là quand vous aurez ce message, mais j'ai des armes et des provisions et je pars m'installer près de la boutique de l'extérieur de la salle d'expo. J'espère que ça va protéger de la créature là-bas. Je suis avec Smite et on attend d'accéder à la réception de la centrale du wiki synthétique. J'ai toujours pas vu Suzanne, tenez-moi au courant si vous la voyez. Ça va devenir vrai dans quelques instants. Et comment j'ouvre ? Ah ! Comment j'ouvre la porte ? Il y avait le code ? J'ai pas le code. Et il est où le code ? C'est lui qui l'a le code ? Attendez. Non, il n'y a pas de code. Il est où le code? Bon sang de bonsoir. Mais où est ce foutu code? Mais pile en même temps, je m'en fous. Medkit. Par contre, je vais pas laisser un medkit, tu permets. J'avoue. Voilà. Il est où le code? Ouais. Il faut une carte. Ils arrivent. Allez, amenez-vous. Ok les boys. Je vais pas arriver toi. Voilà. Alors. La carte. Elle est là-dedans. Eux qui l'avaient, bah dites-le ça. Samuels, mon chou, dis-moi, c'est quoi ce bordel? Synthétique de mélange mutanil enregistré. Tentative d'accès non autorisée. What the fuck is happening, hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette station? En fait, Samuel, là, je sais pas ce qu'il veut faire. Je comprends pas. Trouver Samuel dans Segon Synthetics. Sauvegarde. Bon, à sauvegarder, on va aller au transit Apollo. Je pense. Oui. N'empêche, les sauvegardes à base de ça, c'est une super bonne idée. Les sauvegardes sont super bien intégrées dans le gameplay en fait. Y a pas de dissonance vidéo-narrative. Ludo-narratif, pardon. Ok.
routine. Ah ouais, la foi. C'est Metal Gear cette histoire, hein. Sauter. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Pas de pression. Tranquille. Une sauvegarde, putain. Ennemi proche. The fuck. Ennemi proche de quoi? C'est parti. Ah oui, ennemi proche, oui. Je comprends ce qu'il voulait dire. Oui, bien sûr. T'en veux ? N'abuse pas ! N'abusez pas ! Mais va mourir! Va mourir! Point de robot! Purée! Putain, mais insupportable les robots là! C'est chaud là. Les robots, c'est vraiment des casse-couilles! Ok. Allez, go. Oh non. C'est une blague. On peut pas voir. Allez, sors de là. Insupportable le jeu. Faut que j'aille où? Mais c'est tout. Mais on trace. Il est où le souci? Il y a juste des caméras en fait. D'accord. Si vous voulez. Bon, là il n'y a plus de reroutage. Ah voilà. Ça devient un problème. Vas-y, Saxon. J'aime bien le néo-rétro là un peu. Ça, c'est un truc qu'il y a dans Alien aussi. C'est l'espèce de néo. Néo. Rétro-futurisme. Il y a l'espèce de rétro-futurisme en fait. En gros, c'est le futur imaginé dans le passé. Et j'aime trop ça, j'aime trop cette esthétique. Oh, ça trop cool. Allez, go. Ripley, je suis heureux de vous voir en vie. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. Écoutez-moi,
Je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter. Il va se transformer en synthétique. Ouais. Tu veux que j'attende ? Tu rejoins mon pote, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va devenir méchant. Je vais utiliser la chambre de reformatage. C'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Ah ouais, il va devenir un lambda. Non, Samuels ! Ne deviens pas un mouton comme les autres ! Tu ne reviendras pas. On peut faire un backup. C'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Souhaitez-moi bonne chance. Samuels, non. Samuels, on peut faire un backup, mon pote. Pour que tu puisses revenir après. Attends, fais pas le con. Samuels, fais pas le con. Non. Fais pas le con, Samuels. Il se tue. Avertissement. Initialisation de la connexion à Apollo. L'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte. Connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuels ? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non ! Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Samuels, je vais essayer. Attendez, vous devez le faire dans le bon ordre. Bah alors. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Sixon. Le câble rouge. Débranchez le câble rouge en premier. Ok, rouge en premier. Le rouge. Ok, le rouge. C'est le câble rouge. Les câbles noirs, les câbles bleus. Je l'ai, bleu déconnecté. Après, je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne me facilite pas la tâche. Il faut le suivant, Samuels. Qu'est-ce qui se passe dehors, Ripley? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Putain, elle est. C'est une devinette. C'est une énigme. C'est un jeu d'énigmes maintenant. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin à côté. Oui. J'ai le dos qui me gratte. Je l'ai, ça fait. Plus que le dernier maintenant, s'il te plaît. C'est beau. Ça va? Putain. Non ! Il est mouru ! Putain ! Oh non, ils ont tué Samuels, espèce d'enfoiré. Faut que j'aille où ? Ricardo, si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuels est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Mais c'est où? Ok. Allez, on va aller parler à Apollo là. En 1v1. En 1v1. 1v1 IA.
Direct. Direct. Excusez-moi, pardon, merci. C'est moi, mon pote. Bah non. T'es mort, mon pote. Tu m'as cherché hein, aussi. Hein. Non, mais j'ai encore le lance-flamme, quoi. Oh non. Oh, c'est bon. On va sauver. Sauver ! Sauver l'espoir ! Sauver l'amour. C'est bon. Ok, c'est par où ? Oh non. C'est un autre étage ? Faut que je reparte. Oh la chiantitude. Relou. Ah non, mais il y a l'échelle. Il y a l'échelle, il y a l'échelle, il y a l'échelle, il y a l'échelle. C'est bon. Rip, je viens de trouver un truc, un enregistrement. Faut que t'écoutes ça. Vas-y, balance. Toi, c'est Marlon, bien ça. Ouais. Moi, c'est Taylor, chef de secteur chez Wayland Utah. Oh, voilà la grosse artillerie. Hein. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? The fuck? Laisse Ripley en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Yutani. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Des coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé l'épave. Oh. Toutes les données que vous possédez sur les origines. Le droit du privé d'Apollo est disponible. Ça. Et en aussi un moyen de... ...station du cœur d'Apollo. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition... Oh la traite, c'était ma pote! C'est quoi ça, Taylor? Taylor, c'était une traite depuis le début? Tire. Putain! J'ai entendu. Alors que je lui ai sauvé le cul? Oh. T'abuses. Abusé. Ma pote était une traite depuis le début et elle bosse avec l'autre là. Putain, mais c'est les seuls qui avaient disparu aussi. Hein. Fallait se poser les questions. Attends. Ah bah c'est bon ça. Ok go. Terminé la 12ème mission. Ok. Alors go. On va aller se battre contre les traîtres. Les salauds. Hop là. Putain, c'est pas vrai. Veuillez déposer les armes à feu sur le tapis de sécurité. Sixon et Apollo, remercie pour votre aide. Tu parles. Putain, mes guns. L'ascenseur d'accès au noyau d'Apollo est actuellement hors ligne. Les systèmes primaires d'Apollo sont... J'ai plus de guns. Ricardo, l'entrée est bloquée. Il doit y avoir des schémas utilisés pendant la visite des visiteurs de Sébastopol. Il y a peut-être une porte arrière. Les
peux l'utiliser. Tu penses pouvoir passer? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre, fastoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. 49-30. Voilà. Et après c'est où? C'est à gauche. Ok, très bien. Ça va faire mal de ramper dans un couloir sous tension, non? Je vais l'éteindre d'abord. Donc là on va pour couper Apollo. Hein. Tout simplement. Bah go hein. Go de fou. Au moins il n'y a plus d'aliens hein. Moi je reste Je me dis il n'y a plus d'aliens, on est bien hein. Je vous assure que moi le fait qu'il n'y ait plus de... Mais tais-toi, le fait qu'il n'y ait plus d'aliens, ça me régale. Ici Chief, il y a un truc qui cloche avec vos androïdes. L'équipe que j'avais réquisitionnée pour le démembrement des quartiers inférieurs s'est arrêtée net. Ils ont baragouiné quelque chose à propos d'un ordre sur le confinement de danger. Ils ont essayé d'entrer dans ma cabine de contrôle avant de partir. Je sais, je me plains tout le temps au sujet de ces... Regardo, c'est bon. Maintenant, j'ai téléchargé les schémas d'Apollo ici. Je dois rencontrer Sperling, votre boss. Demain, même heure. Il va y avoir un arrêt d'urgence pas loin. Ça va pas s'arrêter longtemps. Il commencera à vous va devoir passer en vitesse. Eh bien, merci. Moi. Vite. Faut que j'aille vite parce qu'apparemment le courant va se rallumer. Oui, j'ai réussi à peu près comprendre ce qu'ils ont dit entre le message vocal et mon pote. Bon, vite fait. Je pense que c'est script de toute façon. Énorme. Ouais, tout est énorme dans ce jeu. Bon allez, on va passer par le passage secret qui nous permettra d'aller à Apollo. Ok, c'est bon. Je me bouge le cul. Mais Ripley, prends pas ton temps, bon sang. Fonce. Bon, ça va, après le jeu, on a un autre jeu, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas fini. Il y a un DLC avec le premier alien. Bonne chance. Ripley, tu t'enfonces de plus en plus loin dans Apollo. Et ton signal radio est de plus en plus faible. Je vais bientôt te perdre. Génial. Tant pis. Croise les doigts pour moi, ok. Il va y avoir un paquet de lambda en bas, Rip. Ça pourrait être dangereux. Je me démerde. Samuel s'est sacrifié pour que j'arrive jusqu'ici. Il faut que j'essaie. Je me trouvais plutôt cool pour un synthétique. Moi aussi. Ouais, il était sympa. Allez, sauvegarde et on trace. J'arrête pas encore. J'arrête pas encore. J'arrêterai beaucoup plus loin. Je pourrais pas finir le jeu parce que après j'ai des choses à faire, mais on va aller plus loin qu'on peut. Accéder à Apollo, c'est là ? Ricardo. L'entrée principale est verrouillée. Je fais quoi maintenant? Je t'entends pas, Rip. Ton signal est trop faible. Ricardo? Si tu peux m'entendre, trouve un autre moyen de me contacter. Il y a un truc qui me cloche avec mon oreillette. Ah! Ah, il est méchant? Ah oui. Il est méchant. Attends, mais j'ai pas posé mon... Ce que j'allais dire, j'ai pas posé mon taser. Bah alors ? Je l'ai tasé ? Bah... Mais il a pas pris le taser ? Bah attendez, vous l'avez vu, j'ai fait... Et il s'en est foutu ? Mais c'est une blague ! C'est la seule arme que j'ai et elle marche pas ? Attends, mais c'est du foutage de gueule. Ricardo, l'entrée principale est verrouillée. Hey, mon pote ? Ça va ? Ah, il résiste au... D'accord, pardon. Il a une biohazard suit. Du coup, il résiste au... Ok. Oh, masque à gaz.
Il est où? Je m'en fous. C'est où? Ok. On va les tracer, ils sont plus lents que nous. Je vais vous attraper. Il l'a dit comme ça. Mais ils ont des suits. J'allais dire. Pour pas qu'on les attaque. Ils ont des tenues. Mais ouvre. Ah. Merci. Ils me laissent enfermer. Lâchez-moi. C'est mon nier. Oh, il y a une save. Oh, il n'y a même pas les ennemis proches. Ah. Parfait. C'est où qu'on va? C'est là. Bonjour Apollo. Ah, il est là. Taser dans la tête. Je voulais headshot. Ah d'accord, pardon. Il me tue. Ils m'ont tué. Oh, il me coupe la tête. Il me coupe la tête. Il me tord le cou. J'arrive plus à parler. Une plaque. Où est la salle de contrôle d'Apollo pour les humains? Alors, ça, et voilà. C'est bon. J'ai plus à coup. Système de sécurité de l'hémisphère gauche. Activation réussie. Système de sécurité de l'hémisphère droit. Activation nice. Oh, faut aller à l'hémisphère gauche. Left Hemisphere Servers. C'est quoi le moteur de ce jeu? L'UE? Bah, je sais pas. Ça a l'air d'être un moteur maison. Ah, pardon. Non! Oh non, non! Merde! Je suis mort. PTDR. PTDR. Allez, j'y retourne. On y retourne. On a coup. Ok, c'est bon. Signal perdu, signal accepté, signal perdu, signal accepté. Ok, on va s'infiltrer. On va reprendre le jeu comme il doit être rejoué. C'est un jeu d'infiltration un peu. Carrément même. Il se barre. Putain, ils sont deux. Commerciaux
C'est bon. C'est bon. J'ai réussi. J'ai réussi à passer. J'ai marouflé. Donc voilà l'IA. Beau bébé, hein. Sauvegardons.